En octobre 2016, Plural Plus, un festival vidéo pour les jeunes, a fêté sa 8e cérémonie de remise des prix au Pelle Center for Media à New York. Au festival, de jeunes cinéastes du monde entier ont présenté leurs films primés sur la migration, la diversité et l'inclusion sociale et ont pris part à des dialogues actifs. Plural Plus est une initiative conjointe de l'Alliance des civilisations des Nations Unies et de l'Organisation internationale pour les migrations, avec un réseau de plus de 50 organisations partenaires soutenant les efforts créatifs des jeunes et distribuant leurs vidéos dans le monde entier. The aim of Plural Plus is to empower young people so that their voices are being heard around the world. Right now, many, many young people are producing incredibly well-polished videos with very strong messages. I think that that's one trend that we can see being developed. L'un des participants était Pierre Yang, 18 ans, étudiant chinois vivant à Paris. Son film raconte l'histoire de son camarade de classe, George. In my film Belonging, you may see that George has a really particular background. He is an Armenian from Syria. In 2012, conflict began in Aleppo. My family and I were threatened, so we had no choice but to leave. He was the person that had these incredible experiences. A Syrian refugee or any immigrant, if you let them integrate into a society, they can do it. They can strive and they would work hard to be a part of it. And George is a living example of that. We all come from different places, united here for a common objective. I didn't feel like an outsider anymore. And I'd just like to bring some light to these to immigrants like me who are trying to find their place in a society, in a foreign society, and give them encouragement on that. Une autre cinéaste, Catherine Seriani, des États-Unis, a adopté une approche différente de la crise actuelle des réfugiés. No one understands my past. Everything here is so overwhelming and different from my country. Elle a tourné son film à travers leurs yeux, avec une GoPro, une petite caméra polyvalente, attachée à son cou, afin que le public puisse se sentir comme dans la peau du personnage du film, un réfugié intégré. I wanted to create a person that lots of different people with similar experiences could relate to by not focusing on one particular aspect, such as gender or nationality. I wanted to make a film that showed that people are more than their stereotypes, what people assign to them, and that they have actual feelings that people can relate to. So this film, I included different scenes that people in their everyday lives in the US might encounter from a refugee's perspective. So I thought that would be much more relatable for an American to respond to. Depuis 2009, Plural Plus a reçu plus de 1200 vidéos provenant de plus de 110 pays. Les vidéos gagnantes ont été projetées dans des dizaines de festivals de cinéma et diffusées sur des réseaux de télévision à travers le monde. Mettant en lumière quelques-unes des questions les plus urgentes du monde, avec une nouvelle perspective et de la créativité, ces jeunes réalisateurs sont des agents puissants du changement social et un rayon d'espoir pour un avenir meilleur. Ce reportage a été réalisé par Issa Kawamori pour les Nations Unies.